Le potassium joue un rôle extrêmement important dans l'organisme. Avec le sodium, le chlore et le bicarbonate, il appartient à la famille des électrolytes qui aident à réguler beaucoup de fonctions importantes dans le corps humain. Comme la fonction nerveuse et musculaire, l'équilibre acido-basique et l'équilibre de l'eau dans le corps. Et justement, en association avec le sodium, le potassium aide à réguler la fonction nerveuse, l'impulsion nerveuse, pour notamment le contrôle des muscles du corps humain. Par ailleurs, le potassium régule le rythme cardiaque ainsi que la tension artérielle. Et en combinaison avec le sodium, le potassium joue un rôle extrêmement important dans l'osmorégulation des cellules, c'est-à-dire l'équilibre de l'eau à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. En pratique et pour schématiser, le sodium attire l'eau à l'extérieur de la cellule, alors que le potassium attire l'eau à l'intérieur de la cellule. Alors du coup, pourquoi on peut manquer de potassium Alors en pratique, il n'existe pas d'apport journalier recommandé de potassium en France. Les apports qu'on a par l'alimentation sont en théorie largement supérieurs par rapport à ce que notre corps a réellement besoin. Mais parfois, le corps peut perdre énormément de potassium pour plusieurs raisons. Ça peut être par exemple par l'utilisation de certains diurétiques. Lorsqu'on a des vomissements prolongés ou de la diarrhée, par exemple, par une utilisation excessive de laxatifs. Une transpiration excessive, par exemple lors d'un effort prolongé, lorsqu'on a des néphropathies, c'est-à-dire des maladies du rein, ou alors parce qu'on appelle une poliurie, c'est-à-dire des urines anormalement abondantes. Et une carence en potassium peut aussi arriver lorsqu'on a une carence en magnésium, mais ça j'en reparlerai sur une future vidéo. Où trouve-t-on du potassium. Alors de façon très basique, les légumes et les fruits sont la source principale de potassium dans l'alimentation. On en trouve aussi dans certaines noix comme les pistaches et les amandes, dans certaines graines, comme les graines de courge que j'ai récemment évoquées dans une de mes précédentes vidéos. En termes de boisson, l'eau de coco, lorsqu'elle contient un pas de sucre, hein, la vraie eau de coco, eh bien en fait elle est extrêmement riche en électrolytes, dont le potassium. Alors justement, quels pourraient être les symptômes qui pourraient indiquer que vous manquiez de potassium dans votre corps? Premier point des problèmes musculaires c'est-à-dire des raideurs ou des crampes ou des spasmes musculaires. Alors si on prend les crampes par exemple, ce sont des contractions involontaires des muscles qui peuvent parfois être handicapantes. Elles peuvent survenir lors du repos ou lors d'activités physiques. Et lorsque le taux de potassium dans le sang est très bas, cette carence peut s'accompagner de crampes importantes voire de paralysie dans les cas les plus extrêmes. Deuxième point, des engourdissements. Les personnes qui souffrent d'un manque de potassium peuvent ressentir des picotements et un engourdissement, un trouble que l'on connaît également sous le nom de paresthésie. On peut avoir dans ces cas-là une sensation de lourdeur dans les jambes ou de picotement dans les extrémités. Dans tous les cas, cela peut être un dysfonctionnement du système nerveux induit par une carence en potassium. Car on a vu précédemment que le potassium est extrêmement important dans la création du signal nerveux entre euh, la moelle épinière, par exemple, et les muscles. Alors si vous êtes sujet régulièrement à ces symptômes, hein, ça peut être relativement important, donc n'hésitez pas à consulter votre médecin pour avoir eh bien, un diagnostic beaucoup plus précis. Point suivant qui peut indiquer une carence en potassium, ce sont des insomnies. Le décalage du rythme biologique, qu'on appelle donc le rythme circadien, peut être la conséquence d'un manque de potassium. Des études ont révélé que dans certains cas, la complémentation en potassium peut aider à vaincre des problèmes d'endormissement ou d'insomnie. Cela s'explique en grande partie par une plus grande détente musculaire lorsque le corps manque d'un certain type de minéral, comme le potassium par exemple, eh bien, ça peut influencer votre sommeil parce que le corps du coup va émettre une sorte de signal pour vous dire j'ai une carence, il y a un problème et le sommeil va être impacté. Par exemple, si vous avez une carence en potassium, eh bien, la carence va emmener des mouvements anormaux pendant la nuit qui vont perturber votre sommeil et du coup vous allez avoir un sommeil de mauvaise qualité. Alors comme on a vu en introduction, le potassium c'est extrêmement important pour la régulation de l'eau dans le corps et l'eau en fait notamment aussi intervient dans l'équilibre du sang, dans la tension artérielle. Et les personnes qui ont de l'hypertension artérielle auraient intérêt à prendre soin de leur équilibre sodium-potassium. Et pour expliquer tout ça en détail, j'ai fait une vidéo justement pour vous expliquer comment vous pouvez retrouver une bonne tension artérielle. En modifiant votre alimentation, cette vidéo elle est juste ici. Je vous encourage à la voir. Vous allez comprendre pourquoi le potassium et donc le sodium aussi sont extrêmement importants pour la gestion de l'eau et donc la gestion de la tension artérielle. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao.